À vous qui regardez, moi, agent 016, numéro 412, je me suis enfui du KGB, de l'ex-URSS, j'ai quitté le bloc pour m'expatrier ici en France, pour raison très très simple, j'ai avec moi la 6e arme. Vous pas savoir mes 6e armes être arme très très monstrueuse, puissante, capable de détruire le monde entier en une fois. C'est pour ça que KGB a envoyé moi quelques de ses meilleurs agents. Agents très 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 spéciaux. Survivants catastrophe 86 Tchernobyl, eux irradiés, eux inhumains. Ils vont me rattraper moi très 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 prochainement, eux très près. C'est pour ça que je vais faire une vidéo au cas où. Mais c'est quoi? C'est mon portable. Allô? Oui, bonjour, Jean Bernard. Je suis l'agent Steven de la CIA. Nous avons pour mission de libérer votre ami Anatole. Ah oui, Anatole, mais qu'est-ce qu'il devient? Votre ami Anatole s'est retrouvé en tôle, à Guantanamo, après avoir passé son CAP pilote dans des conditions frauduleuses. Nous avons posé sur la table du chevet tous les documents qui vous seront nécessaires. Un dossier? Mais quel dossier? Mais Steven est un type fun. Je le libère et je le ramène en France. Ah ouais? Vous devez venir le chercher dans la vallée près de chez vous. Et pourquoi c'est moi qui dois venir le chercher? Ce type n'a pas de famille, il n'a pas de père. Si ça se trouve, il n'en a jamais eu. Vous êtes le seul qui puisse venir le chercher cet après-midi. Bon ben, d'accord. Ne soyez pas en retard. Adieu, Jean-Bernard. Ça doit être le plan, ça. Enfoiré! PD! Putain d'enflure! Ah putain! Ah salopriva! Ah connard! Enculé! Mais crever! Ah salopriva toi! Putain enfoiré! Va te faire boire! Je me qui est en loin de chez deux. C'est toi, Anatole! C'est tout ce que t'as changé, hein! Qui est là, gars? Il fait une chaleur torride ici. Mais qu'est-ce que fait Jean-Bernard? C'est qui ce que Gus, là? Jean-Bernard? Ouais. C'est un pote à moi. Bon, il a un peu raté sa vie. Il est en BP tuning. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'avais dit de venir! Jean-Bernard! Il est là! Jean-Bernard! Notre loser là! Salut! Allez, détache-nous là! Et détache-nous, on en peut plus, on en peut plus! Ah. Allez, maille-toi! Maille-toi, bordel! Maille-toi! Ça fait du bien, putain! Maille-toi! On peut plus! Oh, oui. Salut! Putain, qu'est-ce que t'as fait là? Allez, viens, on se casse! Il faut qu'on rentre à la maison! Putain! Je vais vous emmener au quad. Putain, mais ça fait 2h30 qu'on t'attend, Jean-Bernard. Tu sais, mais il y a plein de chemins ici. Je me suis perdu. Ouais, c'est ça, ouais. Eh putain, j'ai envie de pisser, moi. Allez, suivez-moi. J'ai envie de fumer, là. Il est là. Tiens, voilà les clés. Allez, merci. Bon, c'est pas le moment de fumer, là, bordel. C'est ce que je veux. Ça va, le voyage s'est bien passé? Allez. Hein? Toi, tais-toi, monte. Bon, je monte à l'arrière. Ouais, pas l'avant, surtout pas.
Petit poule. Ville de la France. La France. Elle est où la France? Allez Jean-Bernard. Faut prendre ta caisse. Allez. Et on rentre à la maison. Et on est loin de chez toi, Jean-Bernard? Non, on est juste à 200 pieds à peu près. Ok, ok. Mais écoute, moi je vais pisser, ok? Ok, ok. Okay. La chaleur. Ah, m'en parle pas, il fait trop chaud. Et t'es qui alors, toi, comme ça? Alors, moi, je suis un ancien champion d'arts martiaux, tu vois. J'étais trop top, je dégommais non-stop, tu vois. Waouh. Et puis, j'ai eu quelques premiers avec la CIA, et puis voilà, un petit détour à Guantanamo. Ok. Bon, bah, y aller, il fait quoi, Nathal, là? Je crois qu'il va pas tarder. Ouais, Nathal, tu fais quoi, là? Ouais, j'arrive! J'arrive, c'est bon. Bon, c'est bon, on peut y aller là. Parce que dépêchons-nous, il va bientôt faire nuit. Hein. Ouais, ouais. Allez, parti. Faut y aller. Allez, on se selle les garçons. Bon, les gars, si on chante une petite chanson paillarde là. Allez, aussi, mais. Ouais, pourquoi pas. Fais la poule, tu verras, c'est cool. Fais la poule, tu verras, c'est cool. Fais la poule, tu verras, c'est... Putain, Jean-Bernard! Putain! Mais Jean-Bernard, t'as écrasé une poubelle ou quoi? Oh merde, y'a un clip! Oh monsieur! T'as pas une cigarette? Oh, c'est bon, monsieur, si j'ai une écratignure, hein. Je pense que ça ira, ouais. Monsieur, calmez-vous là. C'est mon œdème. Putain. Aïe, en double. Que je veux. Et alors? Moi je suis du baby tuning et je le crie pas sur tous les toits. Putain, mais t'as fait de la merde, Jean-Bernard. Qu'est-ce que t'as fait? Il dit quelque chose. Prenez pas cette. Mais c'est quoi, c'est un porno ça? Tu prends pas des clopes plutôt? Prenez-toi. Prenez cassette, prenez sixième âme, très important, très... Les méchants, ils arrivent, ils vont, il faut que... Quoi? Monsieur, parle. Éveille-toi là! Monsieur, putain, il est mort! Ça sert à rien, il est mort, Alan. Ah, putain, il y a un chien. Comment ça, un petit chien? Putain, il est tout éclaté, c'est dégueulasse. Putain, quelle horreur. Il y a une boîte. C'est quoi cette boîte? C'est plein de sang. Tiens, ça va valoir cher ça, non? Ah ouais? Putain, voir ce qu'il y a dedans. Allez, on s'en va. On s'en va, c'est trop. On s'en va. Ah là là. Allez, va. On va te ramener à la maison, Alan. Putain! Ah, mais c'est Patrick le Mystique! Mais salut, man! Mais ça va bien! Mais ça fait trop un bail! Mais c'est Patrick le Mystique avec son costume mystique! On te ramène ou quoi? Allez, vas-y! Allons, on se trace, les gars! Allez, on trace! Allez, c'est parti!